Mes premiers pas sur terre, plein d'ignorance, en l'excellence ou la malchance, je sais aux catégories. Elle est rappeuse de grand renom au niveau de la RDC. Elle a évolué avec plusieurs artistes, notamment Lexus Legal. Elle s'appelle Sista Becky, qui est en direct avec nous à partir de Kinshasa. Est-ce que tu peux te présenter à tes fans de Kasumbalesa? On m'appelle Sista Becky, a.k.a. Princesse Bantu, Mwana Kasai. Artiste rappeuse de la République démocratique du Congo. Tu es actuellement en vogue avec le titre Il fait semblant. C'est en collaboration avec Innocent Baloumé. Alors, on peut prendre d'abord un extrait pour illustrer à nos fans. C'est ma voisine, elle est nouvelle au quartier. À tous mes petits là, elle demande mes nouvelles. Mais quand on est face à face, bébé ne veut pas me parler. Même pour me passer son number, mais qui veut passer par quelqu'un. Et pourtant quand je l'appelle, elle dit elle veut pas être dérangée. Alors dites-moi, comment était l'état d'esprit de cette collaboration avec Inosbi? Oui, en fait, récemment, et un nouveau single que j'ai présenté sur le marché. Il annonce les nouvelles couleurs musicales de Sista Becky. C'est un peu ça le résumé de Il fait semblant. Est-ce que c'est un projet album ou seulement c'est un single comme ça? C'est un single. En fait, je vais continuer sur la lancée des singles. Et après, on verra quand est-ce que présenter un gros projet. Alors, parle-nous-en un peu. Tu as disparu depuis un petit moment. Et du coup, on t'a vu revenir avec un autre style musical. Qu'est-ce qui justifie cette absence? Est-ce qu'on peut faire le retour sur tes anciens clips, notamment Flip Flop, Monsieur Rap ou Kananga, là où tu as participé avec Lexus Legal? C'est bien sûr dans ces medley signés pour nous, Guélor Kabo. Nzambe Tarananu Kananga. Kananga. Diamant. Tarananu Kananga. Voix, mais tout ce que j'ai qui demeure, et peu importe les circonstances. C'est bien monsieur le rap qui vient surgir en face de moi. Avec son charme et même sa rage, se pose et s'impose en moi. Quoi que je fasse ou décide d'être immesurable et préventoire, son poids il devient moi. La force, l'effort sur lequel je livre mon cœur. Monsieur le rap, il me nourrit et je m'exprime par lui. Voilà sa place dans mon âme, il connaît mieux que quiconque. Évidemment qu'il joue avec mes nerfs. Il a la forme et la carrure qui me plaît. J'ignore pourquoi je devrais prendre mon temps. Alors, qu'est-ce qui justifie ton absence sur le marché après avoir sorti tous ces clips qu'on venait de voir? Je devais travailler un peu, perfectionner encore un peu mon art. Donc j'avais pris du recul avec la scène musicale congolaise pour améliorer certaines technicités au niveau du rap, le rendre encore un peu plus moderne et plus commercial pour les enjeux musicaux. Voilà. D'accord, nous sommes pendant la période en état d'urgence en RDC et nous sommes en confinement généralement. Alors, toi là à Kinshasa, comment tu vis ces confinements? C'est très difficile, mais on essaie de s'occuper du mieux qu'on peut. Grâce au fait que je viens de sortir Il fait semblant, je suis pas mal occupée. Déjà là, je suis en train de faire une interview. Donc, on se plaint pas, on suit des films, on mange et on profite aussi de la famille. On a le temps de prier, c'est déjà bien. Voilà. Alors finalement, à quand la sortie de ton album? Parce qu'il attendait avec Il fait semblant qui annonce déjà les couleurs. Ça va s'envisager vraiment selon l'engouement et les résultats des premiers, d'abord des sorties des singles. Là, on a commencé avec Il fait semblant, après on va peut-être lancer deux singles ou trois. Après le retour, on verra quand est-ce que présenter un grand projet. Allô, maintenant nous te remercions d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir pensé à tes fans de Kasumbalesa. Si tu as un petit message spécial, tu peux les adresser. Je vous aime très fort, je vous aime très fort
J'espère qu'on va se revoir très vite devant de la scène. Prenez soin de vous et surtout restez connectés sur mes pages Instagram, Facebook, Twitter, Sista Becky. Et même YouTube aussi, abonnez-vous pour ne rater aucune actualité. Merci à Monsieur Albert et à l'émission Sur vos traces, c'était Sista Becky. Allez, merci Sista Becky d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir fait confiance aussi également. Allez, au revoir. Ce qui projette, ni ce qui l'a rendu de mamé, 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 mamé. Enough, la grosse est ma voisine, elle est nouvelle au quartier. À tous mes petits là, elle demande mes nouvelles. Mais quand on est face à face, bébé ne veut pas me parler. Même pour me passer son number, mais qui veut passer par quelqu'un. Et pourtant quand je l'appelle, elle dit elle veut pas être dérangée. Mais quand ça coupe elle me rappelle. Bébé elle est langa mabé. Oh mamé, aho kange langa babwe. Oh mamé, yeah yeah. Aho zale langa charisme, yeah. Évidemment que je l'attire, mais il fait genre, il fait semblant. Yeah, yeah. Évidemment que je l'attire, mais il fait genre, il fait semblant. Yeah, yeah, yeah. J'ignore ce qu'elle projette, yeah, yeah. Ni ce qu'elle a en tête. Mamé, 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 mamé. Est-ce que le fait que je sois une artiste devrait le retenir et le gêner autant? Évidemment que je lui pique, mais il fait genre, je fais semblant. Bébé, faut qu'on ait la ramote, manna yo. Évidemment que je l'attire, mais il fait genre, je fais semblant. Évidemment que je l'attire, mais il fait genre, je fais semblant. J'ignore ce qu'il projette, ni ce qu'il a en tête. Quel projet de ni ce qu'elle a intérêt.